Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. OVNI. Phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations, zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallele.com. En fait, voici Carole et Steve. Bon lundi soir à vous tous et toutes. Et bienvenue dans la zone parallèle. C'est édition Facebook. Je ne sais pas où est-ce que tu diffuses aussi. Peut-être que tu diffuses ailleurs parce que je n'ai pas... Du côté zone parallèle et du côté de la page Steve Z. Donc, on fait un petit événement spécial. C'est rare qu'on diffuse un lundi soir, à moins qu'on ait une nouvelle spéciale à passer. Mais aujourd'hui, ben, ce n'est pas de mauvaise nouvelle en tant que telle. C'est une bonne nouvelle. C'est une nouvelle invitée qu'on va avoir à zone parallèle. Donc, on a l'opportunité de pouvoir jaser avec elle aujourd'hui, ce soir, pour autant pour un événement qu'elle va produire bientôt. On va lui laisser elle-même nous la présenter. Sinon, ben, on a eu un bel événement aujourd'hui. Je sais que tu étais au travail aujourd'hui. Moi, je me suis permis de diffuser sur Zone parallèle, sur Zone insolite, sur Steve Z. Donc, j'ai fait une petite amanchure avec une boîte et une caméra pour être capable de filmer l'éclipse. Une amanchure. Ouais, une amanchure. Ça rend pas vraiment l'événement tel quel qu'on pouvait le voir avec une paire de lunettes. Mais tu sais, comme je dis souvent, il y a le phénomène, il y a la perception du phénomène, puis il y a ce qui se passe à l'intérieur des gens. Puis ça a l'air qu'il s'est passé des choses quand même assez intéressantes. C'est ça. Ça, c'est bizarre. Parce que moi, là, j'étais au travail. Mais j'ai quand même vu quelques minutes seulement l'éclipse. Je suis sortie à 3h20, 25 environ. J'avais un casque de soudure que j'avais emmené à mon travail parce que je suis équipée. On s'est dit, bon, c'est capable de faire de la soudure avec ça. Des sparks qui rend aveugle. Donc, le soleil, c'est censé être bon. Puis tu vois, j'ai eu des commentaires qui disent, non, faut pas que tu prennes ça. Faut que tu prennes absolument les lunettes. Non. C'est parce que, excuse-moi, là, l'éclipse de 2017, je l'ai vu, je l'ai filmé avec ça. Moi, je mettais mon truc en avant de ma caméra, mais là, je ne pouvais pas le faire parce que j'étais au travail. Puis j'ai essayé de prendre mon cellulaire, puis regarder, puis filmer. Bon, ça a été de la chenoute parce que je pense que j'ai trois casques, puis je n'ai pas pris le bon. C'était tout graffiné. On voyait quand même, là, mais oublie photo, vidéo, c'était de la merde. Là. C'était vraiment pas... Mais je suis pas toute seule. Ce que je veux dire, ce que tu as dit d'ailleurs à la fin de la vidéo que j'ai captée, je t'ai demandé, mais j'avais pas le temps de lire, de voir toute la vidéo. Tu disais qu'il y a des gens qui se sentaient bizarres. Ben, effectivement, parce que j'étais avec ma collègue dehors. Elle avait ses petites lunettes cheapettes là, qu'il donnait. Oui, c'est ça, des petites lunettes comme ça. Quand nous autres, on est allé acheter ça directement chez Metro. OK, acheté 5000... à combien? C'était 5,99 la paire. C'était quand même pas trop pire, mais il y en a reçu 5 000. Fait qu'on a réussi à aller en chercher quelques-unes parce que du côté Québec, Lévis, oublie ça, là, le monde n'était plus capable d'en trouver, je pense que c'est jeudi, vendredi. Quand même, 6 piastres pour quelque chose qui ne coûte même pas une piastre à faire. Là. Ça, c'est vraiment, ils ont fait de l'argent en tabarouette sous le dos du monde. Ben, voyons donc, on est dans un monde corporatif. Hein? Ben oui. Mais c'est ça. Bref, j'ai eu une drôle de sensation pendant à la fin, avant que je termine, parce que je ne l'ai pas regardé jusqu'à la fin parce que je me sentais bizarre.
sérieusement bizarre, puis je ne comprends pas. Parce qu'en 2017, j'ai resté dehors toute l'après-midi. J'ai filmé toute l'après-midi. Ça ne m'a jamais fait ça. Puis je me rends compte avec, comme Jeff, ça a été pareil. Même Jeff, tu vois-tu mes pommettes? Criff, ouais. J'ai pogné un coup de soleil. Pour ben, un moi aussi, j'ai passé l'après-midi dehors. Moi. Mais pas moi. Pas moi. J'ai même pas 10 minutes dehors. Puis ça, je me sens les joues brûlées. Mm-hmm. Non, on a été irradiés. Non, ben, mais Jeff est pareil. C'est un gros phénomène. Ouais. C'est ça. Jeff est pareil. Il file pas bien. Gabriel, Yann, il y a plein de monde là, qui ne file pas pantoute, là, qui ont ressenti. Moi, de mon côté, ça a bien été. Il y a juste Chantal, ma conjointe, qui a filé bizarre, tu sais, avec un effet un peu de vertige, mal de cœur, oui. Ça lui brûlait au niveau du plexus solaire. Oui. Donc, sinon, ben, tu sais, toutes les circonstances arrivent en même temps. Hein. Fait que Nathaniel qui s'est réveillé, oui. Chantal avait aussi sa montée de lait. Fait que là, tabarouette, tout arrivait en même temps. Fait que le temps de sortir de bord. Moi, j'avais ici à la maison Honorine qui est venue avec son conjoint. Donc, on a pu observer ça à partir de 2 heures de l'après-midi. On a installé sa terrasse à l'arrière. Là. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a une superbe bonne invitée pour discuter de ces sujets-là. Ben oui. Et c'est des choses qui sont plus subtiles. Il y a le phénomène physique qui a été perçu, mais il y a la partie de ce qui se passe en intérieur. Et je pense que notre invitée est une personne très bien placée pour nous parler de ce qui se passe à l'intérieur des gens, de la psychologie des gens. Puis c'est un sujet à laquelle... Tu sais, il y en a déjà eu plusieurs autres qui en ont discuté à leur façon, à leur époque aussi. Parce que là, Bernard de Montréal, Daniel Kem, ça fait déjà plus d'une dizaine d'années. Dans le cas de eux deux, ben, ils sont décédés, ils ne sont plus là pour réajuster les choses. Et on a reçu aussi M. Michel Thomas, qui a sa façon aussi, lui, d'amener le sujet et ces choses. Et dans le cas ben, de notre invité, Sylvie Bergeron, ben, ça fait 30 ans qu'elle est dans le domaine. Elle a déjà une formation en psychologie, ce qui lui a permis d'amener le sujet de la psychologie évolutive avec une autre approche qui est très différente. Moi, j'ai vécu mes petits changements psychologiques. J'ai une façon bien à moi de parler aux gens. Des fois, je choque les gens quand que je parle. Donc, c'est une question de contenance. On est tous là dans un cheminement puis un apprentissage. L'objectif, c'est qu'on s'éveille. Mais je pense que Sylvie va pouvoir nous en parler de plus amplement sur le sujet de façon beaucoup plus profonde. Sinon, ben, je pense que j'avais déjà annoncé qu'on va la recevoir à Zone Parallèle pour une émission de 2 heures complète, là, où on va pouvoir élaborer encore plus sur le sujet. Mais... on introduit Mme Sylvie Bergeron. Donc, je sais pas avant de l'introduire, Steve, je te remercie pour ton live que tu as fait de Steve Z, Zone Parallèle, Zone Insolite, parce que j'ai pas pu voir, mais tu as bien expliqué, tu as filmé sur 2 caméras à un moment donné. J'ai trouvé ça vraiment génial. Merci, mille fois merci. C'est toi aussi qui organise ce live-là de ce soir. Oui. Et c'est toi avec Chantal qui avait présenté aussi cet invité-là parce que Chantal connaît cette dame-là qu'on reçoit. Oui, assez bien, oui. Puis je voulais juste faire un petit coucou à ceux qui sont là présentement parce que vous êtes quand même ce que moi je vois ici sur Zone Parallèle 58, mais là, j'ai pas le. En totalité, on est 70 présentement, puis ça risque de monter. Ça fait plus d'une semaine que l'événement a été cédulé. Donc, les gens sont probablement en train de terminer de souper. Donc, ça va se rajouter. De toute façon, quand le live va être terminé, la vidéo va être encore disponible ad vitam aeternam, tant aussi longtemps que Facebook va exister. Sinon, bien. Moi, je vais quand même sortir une version pour YouTube. Okay. Oui, exactement. Vu qu'on est sur StreamYard, bien, l'enregistrement se fait automatique. Donc, après ça, on va pouvoir le mettre aussi du côté YouTube. Donc, je sais que les gens qui suivent Sylvie vont vouloir l'écouter aussi. Donc, sans plus tarder, je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à rajouter, Carole. Ben, salutations à tous ces gens-là qui nous regardent et entre autres Jeff, que je sais qu'il était censé faire un live. Pour moi, il ne le fera pas. Il est brûlé.
Fait que, puis il se sent bizarre, lui aussi. Fait que c'est clair que... On va le laisser se reposer. Ben, c'est ça. Donc, sans plus tarder, je vous présente Sylvie Bergeron. Et je vais lui laisser nous parler d'elle-même. Donc, et voilà, nous avons Sylvie. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Carole, bonsoir Steve, ça va bien? Bonsoir, oui, très bien. Alors, je vous écoutais parler avec tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est toute une journée qu'on a traversée. Je vais vous parler de psychologie évolutionnaire. Tu dis évolutive, mais c'est évolutionnaire. C'est très difficile à retenir parce qu'il y a toutes sortes de psychologies qui existent. Donc, on n'en prête rigueur à personne. Mais c'est quand même important que je soulève que le mot évolutionnaire, pourquoi ça a été choisi? C'est par opposition à involutionnaire. Ah, ouais. Bon, oui, c'est bien pensé. Donc, l'involution, puis vous allez voir le lien que je fais aujourd'hui, l'involution est rattachée à la mémoire de la Lune. L'évolution est rattachée à l'initiation solaire d'un individu. Fait qu'aujourd'hui, on a vécu les deux en même temps. On a vécu un clash entre la Lune et le Soleil. Ce matin, j'étais dans une autre émission où il y avait une dame autochtone qui parlait de l'histoire de l'éclipse. En autochtonie, on dit que le soleil cherche la lune puis qu'ils veulent se marier, puis ça arrive juste une fois de temps en temps. Parce qu'ils sont toujours, il y en a un qui est couché pendant que l'autre se lève et qui ne se rend compte jamais, sauf durant ce moment-là, l'éclipse, tu sais, totale. Mais pour ce qui est de psychologie évolutionnaire, bon, je vais commencer par dire un peu qui je suis. Donc, Sylvie Bergeron, j'ai été propulsée dans cette soupe évolutionnaire sans le vouloir, là, tu sais, dans mon jeune âge. Et puis, j'ai vécu une connexion. Le lendemain, je savais tout. J'écrivais un livre, je parlais à des gens, puis je leur racontais ce que je vivais. Puis, ce qui était intéressant, c'est qu'ils se reconnaissaient dans ce que je disais, même si on était des profils complètement opposés. Et bon, bien, évidemment, la réalité intérieure m'a rattrapée, puis il a fallu que je fasse un gros ménage, un déconditionnement, que je travaille tous mes corps. Fait que c'est ça qui s'est passé sur une dizaine d'années. Puis ensuite, j'ai commencé à faire du coaching individuel pour aider les gens à se stabiliser psychiquement, puis à leur donner de l'instruction supramentale, si on peut dire, parce que cette instruction-là est vraiment nécessaire pour comprendre l'anatomie de la conscience. Puis c'est ce qui m'a amené en 2010 à créer un programme de formation Le Créateur, qui est basé sur les principes de psychologie évolutionnaire, trois principes en fait, intelligence, volonté et amour. Puis ces principes-là guident, dans le fond, notre expérience dans cette évolution de conscience, dans laquelle nous, on invite les gens à traverser tous les champs, donc psychologique, psychique et mental, et ce qui permet éventuellement d'arriver à cette paix que moi, j'ai vécue, en fait, quand c'est arrivé, ma connexion dans ma vingtaine, au début de ma vingtaine, je suis tombée dans un état de silence tellement immense que je ne savais pas ce que c'était, mais en fait, ce silence-là ne m'a jamais quittée. Puis ce silence-là, dans le fond, c'est sur le plan mental. C'est l'absolu de ton être-té. Et puis, ça crée une paix mentale qui est incommensurable. Ce qui m'amène à vous dire que moi, aujourd'hui, je n'ai pas vécu d'instabilité parce que mon mental est toujours paisible. Puis ça, je vous le dis, depuis que j'ai l'âge de 20 ans, même si la vie, je veux dire, on est tous pris à vivre notre vie, là, dans le système de société. La société, puis ça va de plus en plus vite, puis tout le monde est pris là-dedans. Fait que, bon, j'ai ce rythme-là aussi, mais il n'y a rien qui bouge à l'intérieur de moi. Jamais, c'est-à-dire, j'ai jamais de doute. Je suis toujours en paix sur le plan mental. Donc, la partie supérieure de mon être qui fait partie de ma conscience incarnée depuis cet événement-là ne m'a jamais quittée, qui fait que je suis toujours en paix dans tout ce que je vis, même si c'est rock'n'roll, tu sais. Donc, ça explique un peu pourquoi certaines personnes aujourd'hui ont peut-être été déstabilisées par l'événement solaire, solaire et lunaire. Parce que dans le fond, pour embarquer un petit peu dans comment on est constitué anatomiquement sur le plan de la conscience, c'est qu'il y a différents degrés de sensibilité qui nous amènent
à différentes façons. Tu parlais des perceptions tantôt, mais au-delà de ça, il y a des signaux. Il y a des signaux qui nous arrivent de toutes sortes de dimensions. Puis, dans le fond, les signaux qu'on a généralement depuis le début de notre histoire, les signaux qu'on reçoit sont basés sur notre capacité sensorielle à recevoir des informations. Donc, tous les cinq sens qui sont animés, incluant l'éther. Puis ensuite, quand tu rentres dans l'intuition, là, c'est l'hypersensibilité. Et là, tu rentres dans la catégorie psychique où tu commences à concevoir qu'il y a des phénomènes invisibles. Mm-hmm. Et c'est votre créneau, pas mal, je pense, vous autres. Oui, bien, les synchronicités, un peu, là, c'est ce que les gens ont tendance à vivre le plus. Là, c'est des synchronicités, des choses qui font des liens entre eux sans trop savoir pourquoi que ça se produit. Oui, mais pour moi, les synchronicités sont d'un autre ordre. Sont de l'ordre mental, sont de l'ordre supramental. Dans le sens que dans la psyché, il n'y a pas de synchronicité en soi. La psyché n'organise pas. C'est le mental qui dirige. C'est ton esprit. En fait, quand tu rentres dans ta conscience supramentale, c'est parce que tu arrives à te connecter à ton esprit puis qu'il n'y a plus d'interférence entre ton corps, ton âme et ton esprit. Et c'est ce qui fait qu'à ce moment-là, il y a de la synchronicité. Cette synchronicité-là, quand elle arrive, pour la plupart des gens qui n'ont pas fait un cheminement conscient, complet, et puis qui ne se sont pas affranchis complètement de leur esprit, c'est du hasard hasardeux, dans le sens que c'est pas toi qui as décidé de la synchronicité, puis tu fais que, pas la subir, mais la constater, puis tu n'as pas le contrôle sur ce qui vient de se passer. Et c'est ça qu'on enseigne, nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est arrivé? Qu'est-ce que tu as fait dans le backstory de ta conscience pour que ça arrive? Puis comment pourras-tu commencer à ouvrir ta conscience à un point où tu pourras éventuellement faire partie de la commande de l'événement? T'sais? Parce qu'on a une conscience agissante qui n'est pas sous notre contrôle. Et c'est un petit peu la raison pourquoi on est dans la chenoute aujourd'hui. C'est parce qu'on ne contrôle rien, puis qu'on décide qu'on s'en remet à l'univers, parce qu'il y a donc de l'intelligence dans l'univers, OK. Mais si nous-mêmes, on n'apprend pas à prendre conscience de nous-mêmes puis de notre propre intelligence, c'est sûr qu'on se fait complètement submerger par tout ce qui nous entoure, puis on se fait influencer par ce qui nous entoure. Mm-hmm. Donc, en gros, le phénomène d'aujourd'hui, c'est un peu ça, comme je vous dis, c'est l'étage du milieu où les gens qui sont plus sensoriels, qui sont plus attachés à la matière, sont moins sujets à se faire déstabiliser par des phénomènes. Et on a dans cette catégorie-là des gens qui peuvent très bien comprendre les phénomènes occultes, mais qui ne sont pas nécessairement en train de pénétrer dans leur zone occulte à eux pour se saisir de leur propre pouvoir intérieur. Après, tu as les hypersensibles que j'ai nommés. Ces gens-là ont souvent un genre de médiumnité plus forte que la majorité des gens et qui sont, quand on est dans une médiumnité qui n'est pas maîtrisée, parce que là, ça, c'est le troisième étage, on est instable. Puis ça veut dire que tous les phénomènes invisibles nous déstabilisent. Pourquoi c'est comme ça? C'est parce qu'on est impressionné par les corps, nos corps sont impressionnés. Impressionné, ça veut dire que... Bon, là, je suis obligée de rentrer dans une autre catégorie, mais avant de continuer, est-ce que vous avez des questions? Non, moi, ça me va. OK. Je te suis parfaitement. Tu me suis? Bon, tant mieux, oui, c'est ça que je veux savoir. OK. Pour en avoir vécu une bonne partie il y a déjà quelques années, parce que ça s'échelonne sur pas mal de temps, là, dans quasiment toute une vie d'une personne, oui, il y a des bouts qui sont vraiment déstabilisants. Moi, j'appelle ça avoir traversé l'enfer avant de pouvoir renaître à nouveau. Ouais, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident, puis je vais m'adresser aux auditeurs qui sont peut-être dans cette période-là. Faut être patient avec soi, faut s'aimer beaucoup, faut être persévérant dans cette démarche-là, parce que j'ai le goût de dire, quand tu es rendu à un degré de déstabilisation psychique comme ça, c'est parce que ton hypersensibilité, tu sais pas comment la traiter, puis que... tu te laisses encore influencer par toutes sortes d'affaires, puis tu es un peu vulnérable. Fait que, il y a beaucoup de gens qui décident de fermer la porte à ce moment-là
Et franchement, je ne recommande pas ça parce que c'est extrêmement inconfortable. Puis avec le temps, tu vas être obligé de la rouvrir la porte. C'est comme on dit, une fois que tu as les yeux ouverts, tu ne peux plus les refermer. Non. Exact. Une fois que tu as touché, ne serait-ce qu'un soupçon de ce que c'est ton intérieur, le monde invisible, appelle ça comme tu veux, puis que là, tu es un peu déstabilisé par qu'est-ce que tu as vu, bien, à un moment donné, ça va te persécuter. C'est ça, du harcèlement mental. Puis ça ne vient pas juste du côté négatif, ça vient aussi de ton propre esprit qui veut ouvrir la porte avec toi puis te force à ouvrir la porte. Donc, je vous recommande plutôt de poursuivre le chemin puis de trouver les outils. Puis nous, on a beaucoup d'outils à vous offrir, dont cette formation longue. Je vous en parlerai plus longuement plus tard. Le 20 avril. Fait que pour aujourd'hui, je reviens donc à l'aspect de l'éclipse. Puis cette éclipse-là, en fait, premièrement, j'en reviens à la question de la peau. Parce que le soleil, avec la couche d'ozone, le soleil n'est plus, il est blanc. Et, je ne sais pas si vous avez remarqué, avec le temps, avec les années, le soleil n'a plus de chaleur diffuse, on va dire ça comme ça. Sur le plan analogique, on va dire que sa couleur orange est moins, persistante. Puis, il est beaucoup plus blanc, ça veut dire qu'il est beaucoup plus dangereux parce qu'effectivement, tu parlais de radiation. C'est comme si on a les radiations un petit peu plus brutalement sur la peau. Puis, ça nous brûle un peu plus. Donc, c'est pour ça qu'il n'arrête pas de nous parler de nous mettre de la crème. Mais c'est comme si la couche d'ozone avait eu un impact sur... T'aurais dû te mettre de la crème, Carole? Non, désolée. Un autre sujet. Oui, exactement. Parce que les produits chimiques peuvent aussi faire ça. Exactement. Ça, je m'en suis rendu compte. Honnêtement, là, il disait ça de mettre la Copper Tone, sans vouloir nommer de marque, mais c'est ça pareil. Avec une crème, là. Pour enfants, il disait de mettre ça à vos enfants. Tabarouette, à chaque fois, je me mettais une crème pour pas, justement... FPS 30, 15, 50, peu importe, j'avais des boutons et j'avais des rougeurs et j'avais des réactions allergiques. Mon corps me disait « touche pas à ça ». Bien, j'ai arrêté de faire ça. Je préfère me huiler que de mettre une crème. Puis après ça, je me disais « il y a de quoi? C'est ça qui cause le cancer de la peau. Je suis certaine de ça. » Puis ça faisait des années que je le disais, puis à un moment donné, le monde disait « arrête donc ». Tu te fais des idées. Mais tabarouette, il y a un article qui est sorti dans le journal pas tellement d'années après pour prouver ce que je venais de dire, que certaines crèmes causaient le cancer de la peau. Fait que, on s'entend-tu que c'est ça? Moi, la crème, là? Moi, je m'en sauve déjà. Je suis latino. Je suis en train de récupérer mon teint habituel, là. Fait que ça s'est fait en quelques heures seulement, là. Fait que si quelques jours, je devrais avoir le teint un petit peu plus foncé. Mais fait qu'en tout cas, tout ça pour dire que c'est pour ça que la peau réagit rapidement, surtout les peaux pâles. Bien, on est très sujet au rayonnement solaire maintenant. Donc cette éclipse-là, ce que j'allais dire, c'est que l'effet de la Lune et du Soleil nous arrive en même temps. Puis, ça nous arrive dans une période, parce qu'effectivement, les éclipses arrivent dans des périodes. Les éclipses, en général, ça appelle le changement de quelque chose. Ça appelle, en ce moment, un changement positif. C'est-à-dire que cette éclipse-là, elle est positive, elle se situe dans le bélier, dans la constellation du bélier, qui est un signe de feu, et donc, qui est un signe aussi d'initiation. On est au printemps. Donc, on est au printemps pour initier un nouveau cycle, j'ai le goût de dire, qui va nous amener à comprendre comment comprendre l'illusion de la lumière en tant que telle. Puis je vais vous parler de ça aujourd'hui parce que je trouve que souvent les gens se font illusionner par la lumière, le positif, le rayonnement lumineux, tout ça. Nous, ce qu'on enseigne dans le programme, c'est que dans le soleil, il y a deux lumières. Il y a la lumière que tu vois, qui est le rayonnement, puis il y a la lumière noire derrière, qui est la racine de la lumière du soleil. Puis aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est la lune qui a agi comme lumière noire du soleil, qui n'est pas une lumière noire, qui est simplement une ombre. Je ne sais pas si vous voyez déjà la petite nuance que je suis en train de faire concernant ce qu'on appelle de l'illusion.
Donc, on a vu aujourd'hui un phénomène d'illusion de la forme, dans le sens que la lumière, la lune qui a caché le rayonnement lumineux du soleil, nous a donné l'ombre de la lune. Mais derrière le soleil, il y a la vraie lumière qui est dans une autre dimension, le rayonnement noir qu'on appelle. Puis ce rayonnement noir, il est encore plus lumineux que le rayonnement blanc. Donc, quand on se dit on cherche la lumière, puis tout le monde cherche la lumière, puis là, il faut donc que tu sois rayonnant, puis il faut que tu sois toujours souriant, tout ça, c'est faux. C'est pas nécessaire. Ça, c'est comme un genre tu parlais de contenance tout à l'heure, Steve. En fait, c'est un manque de contenance de son énergie. C'est de vouloir péter le feu, de vouloir toujours être de bonne humeur. Ça se peut pas. C'est pas possible. C'est pas requis. Au niveau des enseignements védiques, plus de Bouddha qui parlait de la voie du milieu. Oui. C'est-à-dire ni d'un côté ni de l'autre, mais en plein centre pour garder sa neutralité, son équilibre. C'est un peu ça l'enseignement au bout de la ligne. C'est exactement ça, mais c'est très difficile de trouver. Parce que là, si je peux me permettre, le bouddhisme, puis les religions en général et le chamanisme, tout ça, a été construit au cours de cette race racine qu'on appelle la cinquième race racine, qui était reliée au sens. Mm-hmm. On nous a donné de l'information qu'on était capable de consommer à partir des cinq sens. Et peut-être un sixième qui arrive, puis généralement, c'est la femme qui comprend qui a le sixième sens. Mais dans l'histoire, on nous a bloqués pour toutes sortes de raisons. T'sais? Et aujourd'hui, c'est un peu ça l'appel. C'est un appel à retrouver notre sixième sens, retrouver notre petite voix intérieure pour continuer la conquête vers soi qui nous amène vers le supramental. C'est comme si aujourd'hui, il y avait eu cet appel à un nombre plus grand, parce qu'il y a quand même quelques personnes qui ont été initiées depuis 1969 à peu près. En fait, le supramental, si tu veux, ça a commencé avec Sri Aurobindo dans les années 50. Ouais. Puis c'est le premier qui a amené cette conscience-là d'un autre plan, d'une autre dimension. Puis ça transcendait vraiment tout ce qui avait été émis jusqu'à ce jour par les religions, dont le bouddhisme. Tu sais, quand on parle du milieu, c'est par rapport au centre de gravité terrestre. Mm-hmm. Mais quand tu parles du supramental, moi, mon centre de gravité, il est n'importe où. Je peux m'adapter à n'importe quel champ de ma conscience avec mon centre de gravité. Donc, rester stable, parce que c'est ça un centre de gravité. Ça te permet de rester stable en tout temps, psychiquement, mentalement, physiquement, énergétiquement. T'sais? Donc, on nous a enseigné avec le bouddhisme, avec les religions, etc., à rester stable juste par rapport à la Terre elle-même. Puis là, on se retrouve en ce moment, et puis ça, je pourrais vous en parler de long en large parce que je suis aussi cofondatrice de Connexion U pour la protection de l'être humain et de la démocratie dans l'économie numérique. On est challengé aujourd'hui par l'environnement bionumérique. Ce n'est pas un hasard non plus. L'intelligence artificielle, tout ça. L'intelligence artificielle, le transhumanisme, puis on s'en va vers ça, là. Donc, ça veut dire que les gens qui ne vont pas faire un travail d'ouverture de conscience intérieure vont être obligés d'y aller vers le transhumanisme parce qu'ils n'auront pas la force, puis ils n'auront pas la stabilité intérieure de se soutenir eux-mêmes. Puis, ils sont obligés d'y aller. C'est sûr que si tu ne veux pas y aller, il ne te restera pas grand-chose comme solution pour survivre. T'sais. Fait que nous, on essaie, avec Connexion U, de trouver des alternatives à ce qui s'en vient. Bon, c'est un autre sujet, mais je voulais amener ça pour dire que ça fait partie de la conscience de l'événement d'aujourd'hui, de l'événement astral d'aujourd'hui, de dire que le soleil est devenu tellement fort. C'est comme vraiment une invitation à regarder son propre soleil intérieur dans sa pleine lumière sans être aveuglé par lui. C'est impossible de... comment je pourrais dire ça? Pour que ton rayonnement lumineux ou ton esprit, parce que c'est de l'esprit là, de quoi je parle, pour qu'il puisse se manifester à toi, il faut que tu aies acquis une certaine maturité de conscience puis une certaine maturité d'esprit qui se fait au fil du temps et au fil de vie, tu sais.
Fait que moi, ça m'est tombé dessus. Fait que je ne faisais rien avant, à part d'être tendue psychiquement, parce que ça, c'est sûr que ça fait ça. Mais je ne faisais pas de méditation, je faisais pas, je connaissais pas, je connaissais rien là-dedans. T'sais? Donc, ça m'est arrivé. Puis, donc, ça s'enseigne, c'est ça mon point. C'est que c'est possible pour les gens d'être structurés, d'être encadrés pour faire ce cheminement-là, pour arriver à trouver leur pleine lumière intérieure. Puis quand je dis leur pleine lumière intérieure, je reviens à toute l'illusion autour de « il faut rayonner pour dire que tu es dans ta lumière », puis c'est pas ça l'affaire. Parce que ta vraie lumière est noire. Puis si tu as peur du noir, tu as peur de ta psyché, tu rencontres jamais tes démons, c'est sûr que tu n'es pas dans ta lumière, tu fais juste semblant de l'être, tu sais. Puis, ce que ça fait, c'est que tu es en train de disparaître. Oui, c'est en train de... C'est en train de couler. C'est drôle, je t'ai pas réfléchi. C'est la chaise ou non, non, non. C'est avec tous les jeux de caméra que j'ai fait tout à l'heure, ça a comme tout désajusté mes setups automatiques que j'ai pour ma caméra. Là, je suis en train de comme de réajuster en même temps. Avant qu'on te perde, là. T'es encore là. En tout cas, je suis là d'esprit, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Fait que, où en étais-je, donc, par rapport à cet esprit, à notre esprit, individuel, parce qu'on a chacun un esprit, hein? Bien, c'est cette conquête-là qu'on nous demande de faire aujourd'hui. Puis c'est ce devoir de regarder les choses en face, de regarder la lumière en face sans se faire aveugler par elle. Aujourd'hui, on nous a demandé de mettre des lunettes, OK? Pour ne pas se brûler la rétine. C'est quand même un symbole. On ne peut pas voir sa lumière tout d'un coup. On doit la voir progressivement. C'est pour ça que nous autres, notre programme, il est une progression. On passe de la psychologie des sens à l'aspect psychique, qui est l'hypersensibilité, à l'aspect mental, qui est, dans le fond, l'esprit, tu sais. Parce qu'on ne peut pas arriver du jour au lendemain comme ça à regarder son esprit puis à être sûr que c'est ça, tu sais. Il y a vraiment, on a des croûtes à manger. Puis, c'est un peu ça le message, je pense, d'aujourd'hui qui nous est envoyé par les astres, de commencer à comprendre que le phénomène lunaire est un phénomène d'amplification émotionnelle qui vise à nous garder dans un conditionnement, puis dans le système des émotions qui ne servent pas à évoluer, mais à involuer. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser l'émotion, puis si on enseigne ça au niveau 1, d'utiliser l'émotion comme un vecteur de transformation, on subit l'émotion. On subit. C'est ce que les gens, quand ils disent « Oh, je ne filais pas aujourd'hui », tu subis une émotion. Pourquoi tu subis une émotion? Parce que tu es trop plein d'émotions. Tu en as déjà trop. Puis là, ça s'accumule parce que tu n'as pas fini de faire ton ménage ou tu n'as peut-être pas commencé. Et là, ben, ce que ça fait, c'est que tu t'en enfouis une par une autre, puis à un moment donné, tu as un trop-plein. C'est un peu la raison, parce que là, je regarde les commentaires que les gens font, et même ce que j'ai reçu des images, j'ai reçu des commentaires aujourd'hui. Il y a des gens qui me disaient qu'ils se sont mis à pleurer durant l'éclipse. J'ai eu à peu près le même phénomène dans les 10 premières minutes qu'on s'est mis à jaser. Là. Les larmes ont commencé à couler tout seul quand tu t'es mis à parler. Comme on a mentionné tout à l'heure, hors d'onde, ben, c'est la première fois qu'on se voit et qu'on se parle pour de vrai. Donc, il y a certains phénomènes qui se produisent et certaines choses que nos esprits reconnaissent sans qu'on soit vraiment... on est conscient, mais il y a aussi une partie qui est beaucoup plus subtile, là, qui se produit d'elle-même. Là. Fait que, il y a des choses qu'on ne peut pas nier. Bien, il y a une chose qu'on ne peut pas nier. Hein. Moi, j'étais après-midi à l'Université de Montréal. Je le disais à mon alma mater, c'est là que j'ai regardé l'éclipse. Il y avait beaucoup de monde. Puis, au moment de l'éclipse totale, on ne peut pas ne pas s'émerveiller de la beauté des forces universelles puis de ce que ça produit comme beauté, là, tu sais. Fait qu'il y a eu un genre de « oh! » quand on a pu tous enlever nos lunettes puis regarder en face cette lumière, ce halo de lumière. C'est quand même quelque chose de voir le halo cristallin du soleil à travers l'ombre de la lune.
Puis je fais l'analogie, les gens qui sont dans un cheminement, qui sont capables de percevoir leur lumière, ils sont cachés par le halo, l'ombre de la lune, tant qu'ils ne sont pas capables de regarder le soleil complètement, tu sais. Puis, mais oui, les émotions font partie de l'influence lunaire. Puis, tu sais, les femmes enceintes le savent. Il y a beaucoup d'accouchements lors des pleines lunes. Il y a la marée qui monte, qui descend. L'eau est un vecteur d'émotions. Tu sais, les émotions puis l'eau, c'est toujours on fait toujours une connexion entre les deux. Donc, c'est pour ça que si vous avez vécu des émotions, ça peut être aussi parce que vous avez été touché en esprit. C'est pas du tout la même chose qu'être touché dans l'âme. Mm-hmm. Puis être touché dans l'âme, ça veut dire résonner avec des mémoires antérieures. Être touché en esprit, ça veut dire résonner avec sa mémoire cosmique, on va dire ça comme ça. Puis là, c'est le cosmos qui nous parle direct. On a besoin de se sentir relié au cosmos. Puis depuis 200 ans, la science cartésienne nous déconnecte. Donc, il y a de plus en plus de cas de dépression, de maladie mentale, de dysfonctionnement mental, parce qu'on nous dissocie de plus en plus de notre hémisphère droit, qui est l'intuition, pour garder simplement l'hémisphère gauche, qui est la cognition, qui est le rationnel. Puis, faut tous qu'on ait l'air des scientifiques aujourd'hui quand on parle pour avoir l'air un peu crédible. Je ne dis pas non à ça, parce qu'il faut être les deux, tu sais. On ne peut pas juste parler de l'intuition puis dire n'importe quoi parce qu'il faut que ça se valide, ça, quelque part. Il faut toujours valider, vous le dites en entrée de jeu, oui. Valider toujours les informations qu'on reçoit, que ce soit de n'importe quelle source. L'ego, il sert à ça. Je suis perdue dans mes affaires. Où est-ce que j'étais rendue? Il faut se mettre à l'épreuve dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on avance aussi, même... Il y a des choses que j'écris par écriture automatique, mais c'est dans la vie de tous les jours que je mets à l'épreuve ce que j'écris. Puis bien des choses que, tu sais, des fois j'écris ça, puis ça me verge moi-même parce que je prends conscience en même temps là, que, tu sais, les choses ne sont pas si faciles que ça. Ouais. Ben, faciles jusqu'à un certain point, mais c'est facile de les écrire, c'est facile de comprendre, mais de la façon de les appliquer dans la vie de tous les jours, dans les relations sociales qu'on a avec les autres, parce qu'on n'est pas tous non plus au même niveau. Non, mais en fait, tu sais, c'est ce qu'on forme les gens à ça. Nous autres, dans la formation, moi, j'ai inclus un agenda. C'est comme un journal que tu tiens, un journal de bord, pour que tu puisses apprendre à t'auto-coacher, finalement, parce que c'est basé sur mes 25 années de coaching avec les gens. Puis mon coaching, moi, il a toujours été basé sur le fait que tu ne peux pas être branché puis pas fonctionner dans la vie. Tu sais, il y a du monde qui ont vécu ça, comme Bernard de Montréal, il était branché, puis il était infonctionnel. Lui, il s'était foiré comme ça, puis il ne savait plus faire un nœud de cravate, il ne savait plus conduire son auto. On n'a pas le luxe de se permettre de faire ça, nous autres. Fait qu'il faut qu'on reste fonctionnel, puis plus que fonctionnel, il faut qu'on reste intelligent sur le plan cognitif pour continuer à faire valoir ce qu'on vit comme expérience, pour la partager d'une façon plus... pas scientifique, mais oui, c'est une mesure ouais, de quelque chose. Tu sais, c'est dans ce sens-là que moi, je travaille très fort, en tout cas depuis des années, pour que la psychologie devienne un outil de mesure. Puis c'est ça, la formation. C'est un outil de mesure où tu peux savoir exactement où est-ce que tu es rendu dans ton cheminement. Puis une fois que tu as fini la formation, tu as la carte complète de ce que c'est l'anatomie de la conscience à tous les niveaux. Puis tu comprends effectivement où tu es rendu, mais tu peux expliquer aussi avec des mots puis avec des concepts qu'est-ce que tu vis, que ce soit à ton conjoint ou à des amis ou tu sais, à n'importe qui. C'est urgent qu'on soit capable d'expliquer ces choses-là parce qu'on les occulte. Puis aujourd'hui, je pense que c'est encore ça le message, c'est arrêtons d'occulter la partie de nous qui brille le plus puis qu'on fait semblant qu'il est noir. Les gens ont peur de leur intérieur. Ils ne veulent pas y aller parce qu'ils trouvent ça épeurant. Puis c'est sûr que c'est épeurant parce que la première chose que tu rencontres, c'est des démons. Pas le fun. Tu ne veux pas y aller. Tu fermes la porte. Tu sais. Puis, ou bien non, tu rencontres un premier phénomène hasardeux de synchronicité. Puis là, tu es tout émerveillé. Puis tu veux savoir comment ça marche. Mais pour savoir comment ça marche, ils ne te donneront pas les clés là, en haut. Là. Tu sais, ton esprit ne te donnera pas les clés si tu n'as pas les pieds propres avant de rentrer. Non, c'est ça, faut. Tu te nettoies ta psyché. Fait que, veux pas.
tu vas confronter tes démons. Si tu ne veux pas faire ça, ben reste comme tu es. Mais ça se peut que tu souffres. Ça se peut que tu souffres dans ton âme. Ah, c'est ça que j'allais dire tantôt. Je parlais de la différence entre l'âme et l'esprit. C'est un peu ça. Là. Puis c'est le sujet de notre petite formation qu'on donne mercredi à midi. Se nourrir de l'esprit ou nourrir son âme. Parce que quand tu nourris ton âme, qu'est-ce que tu fais? Tu te réconfortes. Tu utilises des informations connues, des signaux que tu reconnais, des repères connus. Là, les gens parlent d'émotions. Là, ils ont vécu beaucoup d'émotions. Tout le monde sait c'est quoi des émotions. Tout le monde a vécu des émotions. C'est connu. Fait que vivre une émotion puis la subir, on le sait ce que c'est. Quand tu dis « Ah, oh, mon Dieu, je vais brailler, tu sais, je vais avoir de la peine. Ah, si, ah, ça, tu sais. » Ou « Je ne veux pas faire ça, ça va me faire brailler. » Tu sais, tu connais dans ton intérieur ces choses-là. Mais pour dire ça, comme ça, c'est parce que tu ne connais pas la valeur transformatrice de l'émotion. La valeur transformatrice de l'émotion, c'est ça qui va faire basculer ton âme des cinq sens vers l'éther. Donc, ça veut dire que quand ton âme va commencer à comprendre ou à repérer le signal de l'éther, là, l'esprit va commencer à descendre. Il va commencer à te parler. Il va commencer à te gosser parce que là, ton ajusteur de pensée va te dire « Ouais, mais là, il faut que tu corriges ça, faut que tu corriges ça, faut que tu corriges ça. » Moi, je me suis dit, j'ai vécu une période, ça me parlait dans ma tête. « Ouais, mais il y a ça, puis il y a ci, il y a ça. » Fait que ça, c'est des petits chocs. Comme tu dis, c'est des chocs. Il y a différentes intensités de chocs. Mais c'est comme ça qu'on avance, dans le fond. Donc, les intensités de choc, c'est des petits coups qu'on reçoit de notre agiteur de pensée pour qu'on, dans le fond, il essaye d'ouvrir la porte à ta conscience matérielle, tu sais. Yeah. J'ai Lise Marie qui nous bombarde de questions depuis tantôt. Je ne sais même pas par laquelle commencer. Faudrait que je recrule très bien dans les commentaires. En résumé... Bien, premièrement, elle demande, bien, la dernière qu'elle a demandé, c'est que fais-tu de l'inspiration? L'intuition puis l'inspiration qu'elle mentionnait. Oui, l'inspiration, c'est de l'esprit. L'inspiration, c'est du souffle. L'esprit, c'est de l'oxygène, c'est de l'esprit. Okay? C'est du souffle et c'est de l'inspiration. Mais l'inspiration, ça dépend à quoi, de quel signal tu reçois ton inspiration. Est-ce que tu es capable de recevoir une inspiration de l'esprit. Sinon, tu la reçois de la psyché, puis généralement de la psyché collective. Parce que si tu n'es pas capable de recevoir l'inspiration de ton esprit, ça veut dire que tu n'es pas individualisé en tant qu'être. Puis si tu n'es pas individualisé, ça veut dire que l'inspiration ne peut pas venir de ton esprit, elle ne peut pas venir de toi. Elle doit venir du connu, de choses qui ont déjà été faites, qui ont déjà été dites, d'égrégores qui existent déjà dans la psyché dans laquelle tu vas te nourrir, tout ça. Quand tu es capable de traverser tous les voiles de ta conscience, c'est ça qu'on enseigne, pour arriver à l'esprit, et après ça, il faut que tu te mesures. Lui, il va te mesurer. Il va te mesurer pour voir si tu es capable de l'accoter, là, cette vibration-là, dans ta chair. Tu sais. Et c'est à travers ce processus-là que tu développes le souffle de l'esprit. Fait que dans le fond, il y a une différence entre l'inspiration de l'âme et l'inspiration de l'esprit. Puis je vais dire que l'inspiration de l'âme, elle te crée peut-être une dette, tandis que l'inspiration de l'esprit, elle, te nourrit complètement et tu ne dois pas cette nourriture à personne. OK. Et elle avait aussi... Oh, excuse, tu voulais dire... Oui, mais ce que tu mentionnais, Sylvie, dans le fond, c'est ce qu'on appelle le karma. Tant qu'on est nourri par l'âme, c'est le karma au bout de la ligne. Oui, si on peut dire, c'est que dans le fond... Tout le système émotif se retourne contre nous, c'est-à-dire qu'on le subit au lieu de l'utiliser comme outil de transformation. Puis, à mesure que tu nourris ce système-là, ça te garde dans ton karma, ça te garde endetté, donc affectivement, financièrement, à tous les niveaux. Je ne sais pas à quel niveau, à quel moment, mais Lise Marie aussi a demandé que fais-tu des autistes de haut niveau? Les autistes de haut niveau sont capables de capter des vibrations parce qu'ils n'ont pas de filtre. Ouais. Sauf qu'ils vivent une tension qu'ils ne peuvent pas reconnaître puis qu'ils ne peuvent pas corriger. Parce que, comme je vous expliquais, moi, quand j'étais, avant que je sois branchée, je ne connaissais rien de rien, mais j'étais tendue. Et ce que j'ai su après, c'est que j'étais sous tension de mon esprit. OK. L'âme ne crée pas de tension. L'âme, elle crée des pulsions. Tu sais, il faut que...
genre j'ai un manque, tu sais, j'ai de la peine. L'âme, elle, si elle n'est pas mue par l'esprit, elle est mue par une mémoire collective. Puis cette mémoire-là, ben, elle t'englobe, puis elle t'enrobe, puis elle peut te gruger, tu sais. Donc, à un moment donné, quand tu es trop assujetti à cette mémoire de l'âme qui est très lunaire, involutive, donc ça te garde, ça t'empêche d'évoluer finalement, ben, ça te réconforte d'une certaine façon, mais d'autre part, tu n'es pas capable d'entendre d'autres signaux vibratoires, puis tu n'es pas assujetti à une tension, tu es assujetti à une pulsion. Je ne sais pas si vous comprenez la différence entre les deux. Mm-hmm. Ouais. La tension, elle vient vraiment de l'esprit, puis la pulsion, elle vient du corps, tu sais, d'un manque. Parce que quand on est prisonnier du système émotif, à un moment donné, tu sais, quand tu dis on mange nos émotions, on a toutes sortes de pulsions sexuelles, alimentaires, n'importe quoi, tu sais, amoureuses, n'importe quoi. Puis, tant que tu es là-dedans, c'est parce que tu ne te contiens pas, tu n'as pas fait de ménage, puis tu n'arrives pas à prendre sur toi pour entrer à l'intérieur de toi puis faire le travail de ta verticalité. Si tu veux, l'âme, c'est quelque chose qui est horizontal. Puis l'esprit, c'est quelque chose qui est vertical. Fait qu'un autiste, dans son âme, il est très souffrant, mais il y a un vecteur esprit qui le met sous tension. Puis, je vais faire un parallèle très bizarre parce que c'est un peu la même chose avec le numérique. Moi, je ne m'entends pas du tout avec le numérique. Je le subis. Mais je vais vous dire, à l'intérieur de nous, c'est comme si l'esprit, c'est un peu cette valeur-là, tu sais, c'est un peu du numérique, c'est des pulsations. Tandis que l'âme, ben, c'est plus analogique, c'est vraiment quelque chose qui est plus doux. Donc, l'autiste, il vit avec cette valeur de pulsation, puis de la même façon que les antennes 5G pulsent. C'est la même chose que l'esprit. Mais imagines-tu les ondes électromagnétiques artificielles qui pulsent dans ton corps, puis ton esprit qui essaie de te parler en même temps? Ça marche pas. Les gens, en ce moment, là, c'est une des raisons aussi pourquoi les gens ne vont pas bien. On est bombardés de toutes parts. Faites attention à vos ondes électromagnétiques là, artificielles pour mieux absorber dans le silence votre onde électromagnétique naturel qui vient de l'esprit. Mm-hmm. Un autiste a cette faculté de capter l'esprit, mais il en souffre énormément parce qu'il ne peut pas se balancer. Oui, c'est ça. C'est sûrement. Oui, ça, c'est. Je pense que c'est une bonne réponse. Et on te demande aussi, c'est quoi les démons pour toi quand tu dis qu'on est confronté à certains démons? Bien, des démons, c'est toutes tes croyances. C'est du harcèlement aussi, harcèlement psychique. C'est des obsessions. Je parlais d'alimentation, ça peut être sexuel, ça peut être alimentaire, c'est des peurs, ça peut être un doute, constamment douter de soi, c'est un démon. Nous, on traite, au niveau 2, on traite de ce qu'on appelle les failles de l'âme. Donc, tout ça, quand tu commences à le regarder froidement, les failles de l'âme, c'est quelque chose que tu peux colmater éventuellement pour stabiliser ta psyché puis faire en sorte que tu puisses t'acheminer vers ton esprit ou en tout cas qu'il puisse commencer à faire des signaux. T'imagines quand tu as des failles d'âme à l'intérieur de toi, comment ton esprit peut-il passer droite là-dedans, tu sais? Ouais. Donc, les démons, c'est un peu ça. La première chose, tu sais, quand tu rouvres la porte à ta psyché, bien... Probablement, tu sais, que ce que tu as craint toute ta vie, quand tu rentres là-dedans, c'est la première chose que tu vois, mais multiplié par 1000. Puis comme c'est multiplié par 1000, tu ne veux pas y aller. Puis une des raisons pourquoi on ne veut pas y aller, c'est parce qu'on est tout seul pour y aller. Puis là, ton âme qui est toujours en train de se conforter avec la multitude, tu sais, tu fais, OK, mais là, il faut que... Tu sais, quand on dit dans la Bible, passer par le chat de l'aiguille, là, passer par le chat de l'aiguille, il n'y a pas grand monde qui peut rentrer avec toi. C'est un fil que tu passes. Exact. Puis c'est toi qui le passes. Puis là, il faut que tu ailles le chercher l'autre bord, puis tu l'amènes. Puis ça, c'est le fil qui te relie à ton esprit. Tu sais. C'est ce qu'on appelle, nous, le fil d'Ariane dans la formation. Et on avait une autre question aussi. C'est est-ce que tu es d'accord qu'il y a plus grand que nous? Non. Donc, il n'y a pas pour toi, la source n'existe pas. Ben oui, mais la source, c'est toi, tu sais. Le créateur, il n'y a pas ça pour toi. Il y a des créateurs. Mais là, c'est parce que si tu
tu poses cette question-là, puis tu n'es pas équipé pour répondre à cette question-là, tu sais. Dans le sens que si ton âme veut savoir cette affaire-là, si tu n'as pas réglé tes émotions puis tout ça, mm-hmm. c'est une question qui ne te sert à rien. Parce que là, ce que tu vas faire, tu vas dire, si je te dis oui, il y a une source, tu sais, mais je ne te dis pas quoi. Là, tu vas dire, waouh, hey, où est cette source-là? Puis là, je vais dire, ouais, ça ressemble à ça. Là, tu vas te mettre à imaginer, puis là, tu vas te mettre à croire ça. Mm-hmm. C'est pas un vieux bonhomme à barbe, là. Non. Non, il est plus beau que ça. Mais pour revenir sur un petit quelque chose qu'on avait déjà jasé avec Carole, tu te rappelles quand tu me disais la journée que je voudrais consulter un expert, je vais me poser la question, là. Je me parle à moi-même. Ben, c'est pour ça que je te disais que tu venais de dire quelque chose de tellement hot, parce que c'est ça la réalité des choses. Ben, oui, on a accès soi-même à ce savoir-là, puis on n'a pas besoin de personne alentour. On a besoin de support pour être capable de cheminer à travers l'éveil. Mais passé un certain moment, on reçoit l'information soi-même. Mm-hmm. On reçoit l'information. J'allais dire, juste pour terminer sur la... Tu sais, dans le fond, la posture, c'est le silence. Je reviens à ça. S'il n'y a pas de silence dans votre être, ben, il ne se passera rien. Tu vas rester confiné à ton âme, à tes petites blessures. Puis tant que tu ne veux pas les traverser, ben, ça va rester comme ça. Ensuite, ben, pour ce qui est de... Bernard de Montréal disait, on ne peut pas être intelligent tout seul. Donc, ça demande quelqu'un qui te donne une petite poussée pour comprendre c'est quoi de l'instruction supramentale. Puis c'est ça qu'on fait avec le programme, mais c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Puis c'est ce que j'ai reçu aussi. T'sais, j'ai fait un séminaire avec Bernard, j'ai rencontré des gens. T'sais. Puis c'est sûr que les personnes qui sont parvenues à stabiliser leur mental, leur esprit, vont être capables de donner de l'instruction. T'sais, nous, en tout cas, moi, je forme des instructeurs. La formation est extrêmement difficile à donner parce que ça exige, cette formation-là, pas seulement du supramental, mais du psychique puis de la psychologie. C'est énorme, là, comme savoir. C'est énorme. Plus de suivre les gens dans leur vie de tous les jours, il faut savoir comment fonctionne l'organisation sociale pour être un petit peu dans la compréhension de, OK, c'est quoi ta réalité comme infirmière? C'est quoi ta réalité comme de la construction? C'est quoi, tu sais, puis c'est quoi ta réalité familiale? C'est quoi? Fait que ça demande énormément d'aptitudes pour être capable de balancer quelqu'un, tu sais. Mais l'objectif, c'est de toujours trouver l'équilibre à l'étage où est-ce que vous êtes rendu, tu sais. Mm-hmm. Et c'est pas évident. Non, c'est ça. C'est vraiment la... pas. C'est le côté, ben, tout à l'heure, tu parlais de on reçoit, on a l'ajusteur de pensée à travers tout ça. Mais il y a aussi des pensées parasitaires, là, des interférences. Là, parce que moi, dans mon cheminement, ben, j'ai eu la perception des pensées des autres. Et pendant longtemps, j'ai eu l'impression que c'était les miennes. C'est ce qui m'a amené vers des chemins assez chaotiques et dans me mettre dans la marde, comme on dit. Oui, mais c'est une expérience qui est, comme tu disais tantôt, c'est un petit enfer à traverser. C'est pas, tu sais, ça dépend de l'épaisseur des mémoires. Mais l'hypersensibilité, qui est dans le fond la chose qu'on étudie au niveau 2, on accompagne les gens là, dans la reconnaissance des parasites parce qu'il y a différentes formes de parasites. Moi, je les ai toutes étudiées. Là. Différentes formes de parasites. Quand je dis formes, c'est vraiment que ça prend des formes vraiment différentes. Puis quand je dis des formes différentes, quand tu es dans le domaine psychique, c'est des formes semi-matérielles. Tu sais, ça peut être des entités, ça peut être des substances, ça peut être... des images, ça peut être toutes sortes de choses, ça peut être aussi de l'interférence en tant que telle, des fréquences qui rentrent quelque part pour toutes sortes de raisons dans ton canal à toi, que tu es en train de commencer à apprivoiser, puis tu ne sais pas trop comment ça marche. Fait qu'on explique tout ça, comment ça marche, le canal, comment le nettoyer. On parle de ramonage comme dans une cheminée, là. C'est un peu le même principe, mais fait que c'est toi qui brosses, là, mais on vous explique comment brosser ça. Puis quand je parlais de rencontrer ces démons tantôt, ben c'est ça, c'est pas rencontrer ses démons pour les rencontrer, mais pour, tu sais, se mesurer à soi-même, là, tu sais. OK, mais t'es consciente qu'il n'y a pas autre que les démons de ce dont tu parles. Il y a aussi autres, des entités autres, mais il y a aussi
les sorties de corps aussi. Oui. On rencontre des êtres, que ce soit dans d'autres dimensions aussi, qui peut être, mais oui. Encore là, je vais te laisser répondre à ça. Ben oui, en fait, ce que tu soulèves là, c'est, j'imagine, votre volet OVNI, puis tout ça. T'sais, moi, ce que je veux pas vous dire... Pas nécessairement. Ben, en tout cas, sortie de corps, corps astral, tout ça, mm-hmm. C'est une mauvaise maîtrise des champs électromagnétiques de multiples dimensions. C'est vraiment une mauvaise maîtrise parce que tant que c'est toi qui te fais garrocher quelque part, vraiment, tu te mets en danger de continuer ces expériences-là. Puis, tu sais, j'en ai vécu des expériences, là, vous ne pouvez pas imaginer, pour justement savoir de quoi je parle puis expliquer comment ça marche. Mais ces sorties de corps astrales, ce n'est pas du tout la même chose que... dans le fond, la raison pourquoi tu fais des sorties astrales, c'est que premièrement, tu as une curiosité. Tu sais, il y a quelque chose à quelque part que tu as demandé qui t'arrive. Tu sais, mm-hmm. Fait que ça veut dire que tu veux savoir, mais tu n'as pas toutes les informations requises pour t'en aller dans la bonne direction de la réponse. Tu sais, ça dépend, parce que là, je te pose une question oui. Selon les commentaires qu'on reçoit. Okay. Est-ce qu'il y a une précision dans cette question? Mais c'est en fait, c'est les personnes demandent pour ce qui est de l'astral. Est-ce que parce que en fait, moi, j'ai comme ajouté ma version, ma participation à la question, mettons. D'accord. Parce qu'il y a certaines personnes qui, comme moi, si je décide d'aller à quelque part, j'y vais volontairement de mon oui. propre cru. Oui. Je ne me sens pas garrochée, comme tu dis. C'est volontaire. Oui. Je sais où est-ce que je m'en vais, admettons. Mais d'autres personnes ont cette capacité-là aussi de se rendre d'un point A à aller au point B. Mais ce n'est pas nécessaire. En fait, c'est parce que c'est une façon de voyager qui n'est pas nécessaire quand tu comprends comment voyager à partir de l'esprit. Mm-hmm. Parce que le corps astral, dans le fond, il doit être transmuté. Puis tant que tu l'utilises pour faire d'autres choses que de se transmuter, bien, tu retardes son processus de transmutation. C'est pour ça que c'est une étape. Tu sais, je ne veux pas dire arrêter de faire ça, là, mais c'est une étape. Puis dans le fond, je vais vous donner un autre exemple de ça qui est à un autre niveau. Par exemple, quand j'ai commencé à faire des traitements d'énergie. C'est bon. Au départ, je faisais en sorte que mon corps puisse faire la lecture, comme bien du monde quand on commence, la lecture de qu'est-ce qui se passe dans le corps de l'autre. T'sais. Fait que là, bon, ben, j'avais mal ici, j'avais mal là, puis là, ça me disait que c'était ça. T'sais, bon. Mais à un moment donné, je me suis dit, ben, je ne peux pas faire ça tout le temps. C'est pas bon. T'sais. Ça, c'est pas le fun pour moi. Puis, en fait, c'est que là, mon esprit m'a dit, ben non, mais tu as juste à demander à son esprit, puis c'est tout, tu sais. Fait que dans le fond, moi, ce que je fais maintenant, c'est que d'esprit à esprit, je pose la question, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? OK, on va comparer ça, hein? Ben là, on travaille à maison. On fait du télétravail. C'est à peu près ça. Si tu ne vas pas chercher de l'information par l'astral et tu le fais directement d'esprit à esprit. C'est numérique. Tu comprends? C'est numérique. Ouais, c'est ça. C'est quoi analogique? C'est ça, OK. C'est de la télépathie. Ben oui. Quand tu es capable d'être télépathe avec ton propre esprit et non avec des entités mortes, parce que c'est pas du tout la même chose. Okay? Attends, il y a des esprits pas morts. Il y a des esprits pas morts, mais ce que je veux dire, c'est que la télépathie de laquelle tu as le plus de bénéfices, c'est avec ton propre esprit. Mm-hmm. Tu peux transiger avec d'autres esprits, mais à condition que tu sois vraiment sûr que toi, tu es toujours dans ta vibration. Sinon, tu es un médium qui se fait un petit peu illusionner par l'astral, parce que là, tu n'es pas capable de traverser vers ton propre esprit pour avoir les informations toi-même, premièrement. Puis, tu ne peux pas valider les informations à partir de l'astral. Donc, que tu sois médium avec un défunt, avec un esprit incarné, désincarné, whatever, tu sais. Si toi, tu restes dans l'astral, ça veut dire que tes informations risquent d'être déformées, puis aussi tu risques de te pénaliser sur le plan de l'énergie, tu sais. Ça serait encore, faut-il savoir et de façon officielle savoir à qui on parle. Il faut toujours savoir à qui on parle. Ben, c'est justement. Toujours savoir.
tu sais, j'ai certaines personnes comme, je te cacherai pas, j'ai cette capacité-là de sortir, de discuter avec des personnes décédées, oui, mais d'autres personnes aussi qui sont un petit peu plus dans le plan évolutif, un petit peu plus évoluées que. Par des anges, juste... des archanges, tout ça. Ouais, on va dire, on appelez ça comme vous voulez, que ce soit archange, ange ou peu importe. Mais moi, on ne me dit pas de nom. Hey, salut mon chum, moi je suis Michael, puis tu sais, moi je suis Raphaël. C'est ça que je veux dire, c'est dans la catégorie. Non, non, c'est pas ça. Il n'y a pas ça. C'est ça. Mais non, mais je comprends ta question. C'est parce que, tu sais, c'est des plans astro. Et puis, dans les plans astro, comme je te l'ai dit, ben, ton champ électromagnétique, il est bloqué à une certaine fréquence. Donc, tant que tu acceptes de recevoir des informations de cette façon-là, parce qu'il n'y en a pas d'autres pour toi, ben, tu vas rester sur le plan évolutif, ton champ va rester bloqué. Pour certains, comme tu dis, oui. Moi, c'est un petit peu plus que ça. Je me bloque pas, je suis confirmée à ça. Qu'est-ce que c'est un peu plus? Ben moi, je me parle à moi-même. Comme Steve disait tantôt, je suis connectée à ma propre source. Bon, je suis capable de télépathie, je suis capable de... Ben, pas avec... ça dépend aussi, hein, parce que quand on travaille, c'est métro, boulot, dodo, on n'a pas tout le temps... On n'est pas tout le temps... Non, c'est pas nécessaire. C'est ça. Mais si on n'est pas tout le temps comme... on a la tête vraiment remplie de choses à faire dans ta journée. Ou, tu sais, je suis dans un service à clientèle, c'est pas le temps d'être médium là. Ça peut arriver, par exemple, là, de sentir des choses ou de voir des choses. Mais c'est pas là que je vais arriver puis je vais parler télépathiquement avec la cliente. Tu me dois 2,5 piastres. Tu comprends? C'est pas tout à fait ça dans ce but-là. Il y a quelque chose de physique autour de nous dans lequel on baigne tout le temps, mais ou presque, c'est ça, sauf la nuit. Bien, si je peux changer d'angle, parce que je pense que c'est important que les gens sachent qu'on ne fait pas un cheminement spirituel pour rester dans les airs. Non. Moi, depuis que je fais du coaching, mon objectif, ça a toujours été, justement, comme je le disais tantôt, de rendre les gens fonctionnels avec leur médiumnité. Ça veut dire à quoi ça sert de savoir? C'est bien. C'est très bien. À quoi ça me sert? Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Pourquoi je veux savoir ça? Donc, c'est ça l'objectif principal de la formation, c'est d'arriver à savoir pourquoi. C'est quoi l'intention de mon esprit? Pourquoi lui, il a besoin de savoir ça? Puis pourquoi? Puis pour redescendre ça dans ta vie incarnée, pour que tu sois capable, premièrement, de te mesurer à toi-même, deuxièmement, de te mesurer dans le monde, troisièmement, d'être stable à travers tout ça, puis de pouvoir être bien. Ça veut dire retrouver une stabilité. Parce que, tu sais, quand on enseigne les trois niveaux, ça veut dire qu'on enseigne, on va dire, dans un premier temps, on appelle ça l'ascension, tu sais, on s'en va vers notre source. Mais il faut descendre avec ça, là. Puis la descente, c'est le premier qui a parlé de ça, c'est Sri Aurobindo. Il appelait ça le yoga de la descente. Moi, c'est quelque chose qui m'a marqué, là, quand j'étais jeune. C'est ça qui m'a stabilisé le plus, ça, puis mère, parce qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre que j'avais... Il n'y avait pas grand-chose d'autre sur le sujet à l'époque, mais c'est ça qui m'a aidée à comprendre tout de suite la valeur incarnée de ce savoir-là. Ça ne sert à rien de savoir pour savoir. C'est de la curiosité. Puis là, c'est un petit peu... Tu sais, si je rentre dans le sujet des ovnis, ça, c'est beaucoup de curiosité souvent. Hein. On est censé... les gens, ben, on est censé savoir tout en dedans. Anyway, on n'est pas censé Exactement, mais au-delà de savoir tout, c'est comment, tu sais, mettons que tu veux transiger avec peu importe des entités qui ne sont pas incarnées, ou des entités qui viennent d'ailleurs, ou d'autres entités, ou même des personnes humaines qui ont un aura extrêmement perturbant, tu sais, ou perturbé, qui te perturbe, tu sais. C'est toute la même chose. Mm-hmm. C'est ton corps d'impression, c'est ton âme qui résonne à des mémoires de « je suis petit, il fait noir dans moi, je ne serais pas capable de passer à travers cette relation-là parce que c'est trop pour moi », tu sais. C'est ça, là. Mais ça, c'est dans n'importe quel secteur relationnel, que ce soit physique, non physique, n'importe quoi. Et c'est la même chose avec ton esprit. Il t'impressionne au départ. Mm-hmm. Il te magnétise. T'es magnétisé. T'es complètement astralisé quand tu y parles. Puis t'es
Obnubilé, fasciné. Je vois des gens là, qui rentrent dans le supramental, qui sont fascinés, puis qui parlent, puis ils disent, tu sais, ils essaient d'exercer leur parole, mais ils sont en train de se polariser sans s'en rendre compte, tellement ils sont magnétisés par le concept même de pouvoir avoir accès à autant de pouvoir intérieur. Le pouvoir, c'est très fascinant pour les gens, hein? Donc, ça, c'est quelque chose qui doit être maîtrisé. Puis ça, on enseigne ça au niveau 2. Ça doit être maîtrisé pour qu'on continue à s'acheminer vers l'esprit. Parce que l'esprit, je veux dire, irrite-toi là, quand tu es en quête de pouvoir. Puis que ça nous rend manipulable. Bien, complètement. Tu es manipulé complètement, là, tu sais. Fait que ça crée bien des émotions quand tu es manipulé. Puis là, tu t'en sors plus. Tu es obnubilé. Ça roule. Puis après ça, le cerveau... la petite cajara embarque, puis là, ça finit. Vas-y. Tantôt, on a eu aussi la question, c'est quoi ta formation pour donner de telles formations? J'ai étudié en psychologie, j'ai étudié en littérature, j'ai été dans le domaine de la danse, j'ai touché à beaucoup de choses, en fait. Mais principalement, je te dirais que c'est parce que quand j'ai étudié en psychologie, je n'ai pas terminé mes études en psychologie parce que je trouvais que ça ne répondait pas à ma question de base qui était « Qui suis-je? Où vais-je? Qu'est-ce que je fais ici? » Oui, ah oh non, c'est clair. Puis j'avais une tension. N'oubliez pas que j'avais une tension, là. Ouais. Fait que j'avais une tension, puis ça ne calmait rien. Puis c'était juste des histoires de comportement, puis bon, se comporter, tu sais. Fait que pour moi, la psychologie était trop restreinte, la psychologie classique. Puis elle l'est encore plus aujourd'hui. Parce qu'ils évacuent de plus en plus des paramètres qui étaient plus naturels avant, là, comme on s'en va vers le transhumanisme. Même les facultés de psychologie, je pense, qui sont en train de se transformer vers ça. Mais donc, c'est ça mes formations, ma formation principale. Puis, j'ai été formée en médecine alternative aussi. Donc, j'ai eu plusieurs formations de différentes catégories. Mais principalement, je dirais que la formation, le créateur, elle est basée sur tout ce qui est descendu dès que j'avais 20 ans. J'ai écrit un premier livre qui est un genre de premier brouillard de tout ce que j'allais vivre par la suite, qui était qui est dans le fond issu de mon expérience clinique en coaching, clinique empirique. Moi, j'ai fait des tu sais, pendant 25 ans du coaching pour mesurer qu'est-ce qui se passait avec moi, avec les gens, avec, tu sais, c'est quoi cette évolution-là? Donc, c'est sur la base de 25 ans de coaching aussi que j'ai conçu le programme Le Créateur. Et c'est pour ça qu'il y a une portion de coaching dans le programme. Parce que on peut pas... C'est très difficile de parler d'une vibration, de ce que c'est une vibration, sans parler de concept pour que le cerveau comprenne des choses. Fait qu'il y a cette portion-là. Il y a des questions sur vous qui vous sont posées constamment. Fait que c'est vraiment un remue-ménage là, intérieur constant. Puis, il y a nos instructeurs qui sont là pour vous encadrer puis vous coacher à travers ça dans des situations X, Y, Z que vous vivez au jour le jour puis qui vous enseignent à vivre dans l'agenda, tu sais, comment t'écris tes affaires pour que tu puisses te suivre éventuellement de plus en plus par toi-même. Mais comme je vous disais, ben, je ne sais pas si on a fini, mais on a une brève formation là, mercredi. Oui, justement. C'est mercredi cette semaine. C'est ça. Fait que, on va vous expliquer un petit peu plus les mécanismes de l'âme, les mécanismes de l'esprit. J'en ai parlé quand même aujourd'hui, mais vous allez pouvoir venir là, en direct nous poser vos questions. C'est ça, mercredi à midi. Le lien, il est sur la page www.formationlecreateur.com. Vous allez dans « Brève formation », puis c'est la formation qu'on donne, Nathalie et moi, en direct. Donc, ça s'appelle « Se nourrir de l'esprit ou nourrir son enfant ». Oui, c'est ça. Steve a mis le lien tantôt. Oui, c'est ça. Je viens de le republier. Je viens de le remettre. Le lien. Okay, parfait. Je vais m'éclipser quelques instants. Je vais aller chercher un petit quelque chose. Je vous laisse discuter entre dames. De toute façon, moi, je parle beaucoup aussi. Fait que aujourd'hui, je me tais un petit peu, là, mais je vais aller chercher un petit quelque chose. Je vous reviens. OK. Une petite surprise. On va se mettre nos lunettes pendant l'éclipse. Mais donc, moi, question vite comme ça, en fait, parce que toi, c'est surtout en psychologie qui est ta formation de base. Et là, paf, toi, il y a ces événements-là qui se
te sont été révélés, en fait. C'est une révélation que tu as eue. Et tu as comme écrit, comme tu dis, un livre. C'est quoi ton livre? Ah, oh, j'en ai écrit une dizaine. Ah, mon Dieu, OK. Si vous voulez voir mes livres, vous allez sur le site que j'ai dit tantôt, là, www.formationlecréateur.com, puis dans la section livres à gauche, là, en dessous de Bref Formation. OK. Ouais, donc, juste pour présenter un des livres. OK. Donc, si vous voyez déjà un signet, il est très, très... Ben, oui, il est lu. C'est pas moi qui est en train de lire. Ça, c'est ma conjointe. Et juste pour montrer, ça a l'air de quoi, une brique de formation, bien, ça, c'est une des trois. Ah oui, c'est niveau 2. Niveau 2? Bon, oui. Mais regardez. C'est cartable de 3 pouces, quasiment, ça, là, 2 pouces. Oui. C'est quand même quelque chose. Il y a du stock, puis, tu sais, on ne peut pas se mentir à soi-même. Hein. Effectivement. Pour passer à travers, il faut être transparent avec soi-même, puis s'affronter soi-même, c'est quelque chose. Puis, on est là pour s'assurer que vous n'allez pas vous mentir à vous-même, mais on est là aussi pour prendre le temps que vous soyez capable d'absorber le mensonge, tu sais. L'illusion, oui. L'illusion, parce que c'est pas facile. Puis on est là pour toutes les circonstances. Vraiment, les instructeurs sont extrêmement soutenants dans la démarche. Puis c'est important pour nous. Puis c'est important aussi de dire que c'est structuré parce que... quand tu connais l'ensemble de ton fonctionnement, c'est beaucoup plus facile de gérer ce que tu as à gérer, puis de comprendre où est-ce que tu es rendu, puis justement de savoir par qui tu te fais leurrer ou niaiser, comme on dit, puis comment sortir de ça, parce qu'on vous explique vraiment tout, là. Tu sais, c'est très, très détaillé, là, comme tu as vu, ça c'est juste un cartable. Oui, mais les agendas. Ta formation, tu dis que tu as plusieurs personnes, tu as plusieurs instructeurs, mais de tous les niveaux. À un moment donné, il y a un qui va s'occuper plus d'un truc, puis l'autre d'un autre, c'est ça? Pour l'instant, j'ai Nathalie Pelland qui est l'instructeur, maître instructeur, donc elle donne tous les niveaux depuis le début que je l'ai formée. Et puis là, on a cinq instructeurs en résidence. Okay. Ils sont en train de se faire la main, puis qui commencent à être pas mal bons, là, tu sais. Fait que Nathalie est avec eux à temps plein. Tu sais, on laisse personne, tu sais. Nous, on soutient tout le monde, là, tu sais, parce que c'est tellement une démarche difficile à faire, autant pour l'étudiant, pour l'instructeur, tu sais. C'est quand même, puis la transformation de ces gens-là. Là, j'arrive de Sherbrooke en fin de semaine passée, je vais mettre des photos sur Facebook, mais... Il y a un groupe, ça c'était une cohorte qui finissait depuis un an, qui était dans la cohorte. Puis ils se sont loués une place à Sherbrooke pour que j'aille donner, parce que je donne toujours le dernier cours. Puis là, je suis allée les retrouver là-bas. Mais la transformation de ces gens-là, la stabilisation intérieure, la compréhension qu'ils ont d'eux-mêmes, d'une profondeur, c'est de toute beauté, mais c'est extrêmement difficile de passer à travers. Fait que les instructeurs travaillent fort avec eux autres pour qu'ils aient des résultats. Mais il y a toujours des résultats. Puis moi, à chaque fois, tu sais, quand j'ai commencé à faire du coaching individuel, je me disais tout le temps, la personne qui rentre, elle ne sortira jamais comme elle est rentrée. Tu sais? Mais la formation... C'est la même chose avec le programme. OK. Puis la formation, les gens doivent s'attendre à quoi mercredi? C'est par Internet, dans le fond. C'est par Internet, mais c'est vraiment juste un aperçu là, qu'on vous donne. Fait que vous vous inscrivez sur le site web, puis Nathalie et moi, on va vous parler ensemble là, de ce que c'est l'âme, l'esprit, pour vous mettre un petit peu comment ça fonctionne. Mm-hmm. Puis vous allez aussi surtout pouvoir nous poser des questions directement là, puis même des situations, des mises en situation, si vous en avez. Gênez-vous pas pour arriver avec ça, là. On est là pour ça. Fait que ça va vous donner un petit avant-goût de à quoi vous attendre pour la formation. Et c'est une formation de combien de temps? Celle de mercredi? Mm-hmm. Ah, c'est à peu près une heure et demie là, au max. Donc, mercredi de midi à 13h environ? 13h, 13h15, 13h. Okay. On verra là, comment ça se tient, là. Et les formations se donnent quand en général? C'est les week-ends, les soirs, en soirée? Oui, c'est généralement une journée la fin de semaine aux 2 semaines. OK.
Puis on débute les cohortes au printemps ou à l'automne. Là, il y en a une qui débute le 27 avril pour un an. Ça, okay. C'est la formation longue, là. Okay. Et c'est ça, c'est une fin de semaine sur deux, c'est-à-dire une journée, soit le samedi, soit le dimanche. Là, je pense qu'on est... Le 27, c'est un samedi, je pense. Est-ce que c'est un samedi? Oui. Donc, la prochaine cohorte qui débute, ça va être le samedi, une fois sur deux. Donc, deux fois par mois, pendant un an. OK. Puis ça se fait en journée. La journée là. C'est toute la journée au complet. Okay. Et évidemment, bien, on a un format hybride. Puis, je dis, c'est heureux et malheureux parce que c'est pas toujours le fun d'être hybride, mais ça permet à des Français, à des gens à l'extérieur du Québec ou des gens loin de suivre le programme parce qu'on le donne de Montréal pour l'instant. Puis, à moins d'avoir des groupes là, qui peuvent se former à un certain endroit, là, on n'a pas encore fait ça, là, mais si ça se présente, on peut regarder la possibilité. Mais sinon, c'est... c'est ça, c'est toute la journée et puis il y a une journée qui est un cours puis une journée qui est un coaching ou en tout cas on mélange les deux là, pour un petit peu balancer le tout. Puis les groupes sont de combien de personnes environ pour une cohorte? Une quinzaine de personnes par cohorte. On garde ça comme que ça soit accessible, que les gens, tout le monde ait le temps de parler et tout ça, tu sais. Oui. Là, je vais m'adresser aux auditeurs qui nous écoutent. J'aimerais ça que si vous avez des questions, parce que Sylvie va être à l'émission le 20 avril prochain, j'aimerais que si vous avez des questions à lui poser, je ne la poserai pas ce soir, je vais les prendre en note, puis on va revenir le 20 avril pour les questions et réponses en cette journée-là. Est-ce que ça te va? Moi, ça me va bien. Puis, vous pouvez aussi faire des mises en situation si vous avez des mises en situation. Ça peut être intéressant aussi. Oui, c'est une bonne idée. Parce que, de toute façon, les questions risquent de venir, logiquement, je croirais, avec une mise en situation selon la manière que ça va être posé. On va être capable de le deviner, en fait, je pense. Bon, je compte sur toi, Carole. Donc, que ça va être une question de qu'est-ce qu'on fait dans deux semaines? C'est quoi le format, en fait? C'est un format de 2 heures. En fait, c'est des blocs d'environ une trentaine de minutes, incluant environ 2 minutes et demie de publicité, parce qu'on est à la radio, on a des annonceurs qui doivent passer. Donc, c'est comme 4 blocs d'environ 25 minutes. Fait qu'on a le temps de faire le tour de plusieurs sujets quand même. Mais à l'habitude, du côté zone parallèle, on n'a pas le temps de tout couvrir. Donc, on s'organise pour pouvoir te réinviter à nouveau. Si l'exercice t'intéresse, et aujourd'hui, bien, c'était surtout un préambule pour pouvoir présenter à nos auditeurs qui est Sylvie Bergeron et c'est quoi ce sujet-là, la psychologie évolutionnaire. Donc, ça permet aussi aux auditeurs qui vont vouloir aller suivre la vraie formation de s'instruire un peu plus. Sinon, bien, il y a la formation longue, formation le créateur que... J'ai l'expérience par la bande parce que je vois le changement dans ma conjointe et bien, c'est un chemin de tous les jours. Puis que même une fois la formation terminée, ça se poursuit. Donc, moi, je suis tombé dedans malgré moi sans trop savoir qu'est-ce que ça en était, mais je le subis puis j'ai mon cheminement à suivre de ma propre façon. Je suis un peu autodidacte à travers tout ça. Puis ben, je subis aussi ma façon d'être parce que quand on est dans le public, ben des fois les auditeurs, il y en a qui réagissent de façon assez je vais me taire sur le spontané. Mot, mais spontané. Très spontané, effectivement. Donc, tu sais, moi j'ai aussi ma façon d'être, puis que ça des fois ça heurte les gens. C'est bien normal. Ça fait 45 ans que je vis de la même façon, je suis habitué à heurter les gens. Puis à quelque part, ben moi, je fais ce que j'ai à faire. Puis l'objectif là-dedans, c'est de s'éveiller. Il y a des façons de le faire, par contre, comme on le mentionnait. Ouais. La contenance, je commence à être un peu plus dedans, à faire un petit peu plus. Je sais pas que je fais attention, mais j'amène les choses un petit peu différemment. Mais j'ai encore des croûtes à manger là-dessus. Mais je pense que je suis dans un bon médium pour être capable de me pratiquer aussi. Oui, bien, c'est ça. Parce que donner des chocs, en même temps, c'est une responsabilité, hein? Il faut les équilibrer après. Oui. Mais j'ai le goût de dire aussi que, dans le fond, l'éveil, c'est une succession de chocs
Puis ça doit devenir un mode de vie d'être capable d'être choqué dans le sens, dans le bon sens du terme, tu sais. Parce qu'il faut qu'on apprenne à s'auto-stabiliser après chaque choc. Si tu n'es pas capable de te stabiliser, tu vas rentrer dans ton système émotif, comme je le disais tantôt. Puis tu vas rester pris avec tes émotions. Donc, c'est tout ça qu'on enseigne. Puis c'est super important. Aujourd'hui, là, si on ne fait pas ça, je ne sais pas comment les gens vont survivre là, avec tout ce qui s'en vient. Prenons le temps d'accepter d'être choqué et d'apprendre à s'équilibrer dans nos chocs, puis d'être ouvert d'esprit par rapport à ça pour voir où ça nous mène un choc, parce que c'est un éveil à chaque fois. On ne peut pas faire d'omelette sans casser un œuf. Ah non! Non, t'as déjà essayé? Ah ouais! Ça prend toujours une bonne taloche en arrière de la tête. Exactement. Pour s'ouvrir les yeux à nouveau. Tu sais, dans la société victimaire dans laquelle on vit présentement, là, on a besoin de casser beaucoup d'œufs pour que le monde se réveille. Ouais, c'est ça, oui. Il y en avec a la période qu'on a vécue, avec la période qu'on a vécue ces dernières années, ça en est fou de voir un peu justement la manipulation, puis à quel point ça joue dans le subtil beaucoup. Il y en a qui font les innocents avec leur petite cravate et je suis un premier ministre, mais bon, on parle du fédéral ou provincial, mais au bout de la ligne, c'est des manipulés, là. Il y a un agenda qui est derrière, puis ça, c'est la façade publique, mais qu'est-ce qui se trouve derrière? Il y a des choses qui sont placées là, pour justement amener les gens à rester dans leur esclavage, à rester enchaînés. Puis à quelque part, ben, c'est plutôt du monde subtil. Ce que je disais tout à l'heure à Honorine qui était ici, tu sais, la réalité physique, là, c'est juste la pointe du iceberg. Là. Le monde subtil, c'est tout ce qui se cache en dessous, là, puis c'est énorme. On ne sait pas dans quel monde qu'on vit, puis tous les sujets sont connexes entre eux autres. Il faut arrêter d'éclipser. Oui, effectivement, effectivement. Mais Sylvie, merci pour le temps que tu nous as accordé. C'est très apprécié. Je crois que aussi pour nos auditeurs. Puis on va avoir l'opportunité de te recevoir pour un bon 2 heures à nouveau du côté Zone Parallèle à la radio. Et ben, je te recède la parole, Carole. Merci à vous deux, hein, Carole, Steve. T'as pas mal dit ce que je voulais dire, fait que c'est correct. Merci Sylvie. Et ben j'ai bien hâte de voir, c'est, comme je dis, si vous avez des questions, ben gênez-vous pas pour les écrire en commentaire. Oui, Christine Capitaine, j'ai vu ta question tantôt. On va la poser le 20. Oui, c'est ça. Les questions qu'on n'a pas posées, que j'ai vu passer parce que je les ai pas toutes dites, parce qu'il y en avait beaucoup. Mais c'est ça, je vais prendre des notes, puis on regardera ça ensemble. Exactement. Donc, ça va nous permettre de commencer à sortir de la confusion des vocabulaires et de beaucoup de choses à laquelle c'est le temps de trouver le bon chemin, le chemin qui mène à soi-même. C'est ce qu'il y a de plus important, surtout, comme tu le disais, Sylvie, tout à l'heure, il y a des choses qui nous attendent dans le détour, puis il faut être prêt à être soi-même. Et laisser de côté les artifices, le superflu et toutes ces interférences-là qu'on nous impose. Puis plus on va être fort et plus on va être capable d'amener les choses dans le droit chemin, comme on dit. Exact. Donc, je vous souhaite une bonne soirée à vous tous. Merci Sylvie, merci Carole, merci aux auditeurs. Merci Steve. On se revoit ben, samedi prochain pour une prochaine émission de Zone Parallèle sur les ondes de CGMD 96.9. Et on reçoit à nouveau Maridoff samedi. Oui, exactement. J'ai une belle vignette. T'as déjà la photo, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai une belle vignette à préparer. Donc, la vignette du 20 avril est déjà prête, elle aussi. Okay. Donc, on va pouvoir tout sortir ça en temps et lieu. Donc, je vous souhaite une bonne soirée à vous tous et toutes. Et on se revoit ben, samedi prochain pour Zone Parallèle. Peut-être que je vais faire une petite incursion à distance. Sinon, ben, le 20 avril, probablement que je vais être là sur place à la station aux côtés de Carole pour animer cette émission. Donc, bonne soirée à vous tous et toutes. Bonne soirée à tous. Bye. Merci. Bye-bye. Merci. À
Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations, zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallele.com.